Ça, c'est notre tante, Miss. Et avec ses frères, ils ont eu l'idée de faire le marathon de Paris 2022 en joulette. Malheureusement, à cause du Covid, les projets ont été un peu retardés. Mais bon, on a quand même réussi à s'aligner au marathon de Paris 2022 avec plus ou moins d'entraînement. Maintenant, je vous laisse avec une interview exclusive de Miss 3 semaines avant le marathon. En direct avec Miss. Miss, quelles sont tes impressions avant ce marathon de Paris? Merci. Merci beaucoup. Bah, dans 3 semaines, tu le feras, marathon de Paris. T'aimes bien me toucher les cheveux? Donc là, on est vendredi soir, on part d'ici une demi-heure, donc on est en train de charger toutes les valises et tout dans la voiture. Du coup, voilà, donc en fait, on prend pas le même train. Du coup, ça fait qu'on se sépare un peu, mais on se retrouvera d'ici à Paris. Une fois qu'on est à Paris, on se retrouvera. Du coup, voilà, et ça va être fun, j'ai hâte, ouais, ça aussi. Va être trop drôle. J'ai hâte de retrouver tous les cousins parce que là, je suis qu'avec elle. Ça va être trop drôle. Vlog, papa. Là, on est à la gare, on doit attendre une heure. On va pas, mais. Ok. Là, on devrait bientôt. D'ici 30 minutes, on devrait être avec les cousins. Il y a beaucoup de queue. 1 hour later. Ouais, la zone. On a rejoint la famille. On va aller on chercher les dossards. Ah, j'ai trop hâte. Ça va être trop. Hélicoptère, hélicoptère. Oh, Martin! Ouais, jour J, on va courir un marathon, les gars. Oh, non, on va courir un marathon. On va courir un marathon. Ah ouais, non, parce qu'en fait le semi c'était quand j'avais 4 ans en fait. Wow, complètement oublié. Du coup là on se prépare. On peut voir que lui il est bien préparé, tu vois. Il a mis un jean. Je suis en civil. Et toi tu fais civil. Ouais, le militaire. Tu as changé là. On peut pas zoomer. On peut pas zoomer. Allez, viens Martin. Oh ma tête. Ouais, ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi l'équipe? Ici on est l'équipe des Sordossards. Alors non, on a pas de dossard. Ouais, mais moi je parle pour moi, T'es qui toi? Ah oui, t'es Alix. En legging. Alix et Mireille en fait. Moi c'est Alix, elle c'est Mireille. En gros, j'ai voulu récupérer ton téléphone. J'ai cassé la lampe. Faut pas le dire. En fait, il était branché et sauf que bah, avec tous les fils et tout, voilà. Yes, mais je... Alors, on est ready ou quoi là? Ouais, on est prêt. On va attaquer Paris ou quoi? Faire! Parti. On vient prendre la capitale. Tous coup ensemble. Coup d'état. Que les plus de 10. Et regarde. Vas-y, j'ai mis le tourne-cou assorti au maillot. Mais je le sais, c'est le tourne-cou du 10 km de Lyon. Ouais. Voilà, deux styles très différents. Attends, je respire plus là. Là, mon pote, moi je suis pas là pour courir.
T'as juste une casquette orange, quoi, mais bon, ça c'est un détail de ouf. Je suis pris pour le flow, je connais pas Blondine ou. Oh, regarde, monte la dégaine de prof de sport. Attends. Surtout les pattes. Allez. Je vous dirai. Bref, là, on se retrouve la zone par les casquettes oranges. Par les casquettes oranges. Et en fait, là, ça fait combien de temps ? Ça fait une, je sais pas, une demi-heure, on attend dehors. On attend. Il fait froid, il fait. Heureusement qu'on s'est levé tôt. Ouais, casquette à évoquer. Ouais. Ressenti moins 1 degré. Soit, il fait un peu froid là, j'avoue qu'en plus, le. Au calme. Au calme. Au calme. Au calme. Allez, t'as les beaux gosses, hein. Tu me sens mon téléphone, je vais refaire. Mec, tu ne peux pas Blondine. Bah si, gros. Genre, il y a un plan, là. C'est bizarre. Même toi. Surpasse-toi. Mais c'est bizarre, genre. Mec, c'est... Ya, ya, ya. Un. Je mets. J'ai mis. Pour Blondine, pipip. J'ai mis un euro dans une grenadine. J'ai mis 5 euros dans un mauvais rhum. J'ai mis 3 semaines à me remettre. J'ai mis ce que tu ferais à ma place. J'ai mis 2 tes 2 bœufs dans ma glace. J'ai mis 4 euros sur un cheval gagnant. J'ai mis un zizi dans une femme payante. J'ai mis 0 pour son retour au taxi. C'est incroyable. Tout est incroyable à Paris. Il y a l'Arc de Triomphe. Il y a Dior et tout. C'est incroyable Paris. Franchement, j'adore cette ville. 400. Arrête de filmer. Tu préfères le chocolat ou les noirs ? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils ? C'est immonde ! Hé, les noirs, ils vous ont rien fait, hein ? Respectez-les, quand même ! Qu'est-ce que c'est que cette honte ? Ok, la zone. Donc là, il y a eu le départ tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a eu le départ. Et là, on est au 5 km. Donc on attend les coureurs pour les encourager à donf. Et après, nous, avec Martin et Marie-Lou, on rejoint au 20 km. Au 20 km, vers 20 km, on va faire la moitié quoi. Donc voilà, là on les attend. Oh allez, 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 allez. Alors là, on est au kilomètre 20. Donc nous on va bientôt rejoindre la course. Là, ils sont en train d'arriver. On les voit au loin, loin, loin. Du coup, vas-y, on va acclamer. Allez, ouais. En fait, c'est notre moment, c'est notre moment. En fait, c'est trop drôle parce que genre on voit les prénoms des gens sur leur dossard et du coup on dit leurs prénoms et genre ça leur met la patate. C'est trop drôle. On y est. Let's go. On attend, attends. 300 mètres. Miss, fais coucou. Ouais. C'est pour Lily, tiens. Là, on a fait 2 km, on n'avait pas de dossard. Et Miss, elle fait une pause pour pouvoir marcher. Elle est là. Voilà, c'est Miss qui marche. Parce que voilà, Miskine, ça fait 3 heures qu'elle est dans la geôlette. Du coup, t'as comme ça lui dégorge les jambes et tout, tranquille. Ça peut faire une pause à tous ceux qui courent, parce que là, ça fait entre 20 et 25 km qui courent. Du coup, voilà. Nous, du coup, on va mettre nos petits. Hop là. Et let's go, hein. Après, on reprend. Ça va être fun. Thank you.
On a fini ce putain de marathon. Let's go, hein. Oui. Alors on va aller chercher nos médailles. Quelle expérience. T'en as pensé quoi? Oh, c'était trop bien. Non, franchement, c'était... Sacrée expérience. Meilleur. La fin, frérot, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, là. Là, on doit monter 5 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. 5 étages à pied. À pied, frérot. J'ai pas envie. Ah, ok. Un. Deux. Pour l'instant, tout va bien. Trois. Ça commence à chauffer sec. 'était cool, on a beaucoup rigolé, très très fun. Après, on a fait quoi? Ouais, c'était un peu dur sur les derniers kilomètres. Bah, c'était les chevilles. Ouais, les chevilles, ça commençait à être ça forcé grave, j'avais mal au ventre moi. Mais bon, c'était cool quand même, hein. On a bien rigolé. L'arrivée, c'était sympa. Ouais, c'était drôle. Et bon, très fort en aventure. Des larmes, des rires. La joie d'abord. Fort en émotion tout ça. Bref. Commence pas. Bon, du coup, après le soir, on devait aller à la cantine. On est allé à Otakos. Ouais, alors ça, c'était un peu chiant, mais vas-y. Et à la McDo. C'était moi, j'ai beaucoup rigolé à Otakos avec Martin. Ah, moi, j'aurais grave aimé manger avec vous, mais. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie. Anyways, voilà. J'ai acheté cette bouteille pour venir à Paris. C'est-à-dire vendredi soir. On est lundi. Je vais me perdre un pour combien? Je dois boire dedans. Alors que c'est la raison. Ouais, jamais raison. J'ai la gerbe. Rien que de le voir, j'ai pas envie de ça. Ça me dégoûte. En soi, il est encore bon, il est pas frais. Mais avec le goût du dentifrice, frérot, c'est dégoûtant. Oh. Ça me dégoûte. Vas-y. Des questions, vous allez faire un marathon, vous? C'est ça. Vous allez faire, vous êtes parti pour quel sas? Je suis dans le sas 3h30. 3h30? Oh. Ok, bon, bah, good luck for the marathon. Bah, merci beaucoup. Goodbye. Bon courage à vous aussi. Bonjour déjà, est-ce que c'est votre première marathon? Non. Non. Non? À Paris, oui. À Paris? Ok. Vous partez dans quel sas? 3h. 3h? Et vous pensez faire combien de places? Ça, j'en sais rien. Dans les 10 000 premiers? Non, peut-être. J'avoue, c'est chaud. Et est-ce que vous aimez bien tout ce qui est Joëlette et tout, ceux qui font pour le groupe? Voilà. Ouais, je connais. Okay. Ouais. Bah, ok. Bon, parce que nous, c'est comme ça qu'on le fait en fait. Voilà. D'accord. Vous avez avec une Joëlette? God save. Ah, la merde. Yeah, baby, see you back in my zone.